Salut tout le monde, c'est Aranta. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo c'est une abonnée qui me l'a demandé et en fait c'est vrai que j'y avais pas pensé alors que j'ai fait des bilans de tout ce que j'ai fait niveau scolaire depuis le début sur ma chaîne. Vous pouvez retrouver des bilans pour mon bac, des bilans pour ma première et ma terminale S. Et j'ai aussi fait des vidéos sur la vie étudiante en général. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout parlé en détail de ma licence de sociologie. Je vous ai parlé de mon échange universitaire, etc. Mais j'ai pas parlé de la licence en tant que telle. Du coup, je me suis dit que ça pourrait intéresser certains ou certaines d'entre vous qui voudraient s'orienter vers la licence de sociologie ou qui ne savent pas encore comment trop s'orienter, quoi mettre sur Parcoursup, etc. Et qui seraient peut-être intéressés pour cette licence. Donc, c'est parti pour la vidéo. Quelques précisions avant de commencer, j'ai fait ma licence de sociologie en 3 ans à l'université de Nantes et j'ai fait mon dernier semestre à l'université de Moncton au Canada en échange universitaire, donc en lien avec l'université de Nantes. C'est important de préciser parce que à partir des études supérieures, il n'y a plus de programme commun à toute la France. Du coup, en fait, c'est vraiment les professeurs que vous allez rencontrer qui choisissent le programme et les universités et surtout les facultés qui vont choisir qu'est-ce que vous allez voir comme notion ou pas voir. Et donc ça peut être très très différent d'une ville à l'autre en France, et encore plus différent quand on va dans un autre pays évidemment. Mais pour autant, on a ce qu'ils appellent des yeux d'enseignement qui sont communs normalement au programme au moins européen. Et donc si vous commencez une licence en France, vous pouvez la finir dans un autre pays d'Europe en Erasmus, ou nous même sans Erasmus parce qu'il y a des équivalences. Ou même parfois dans des pays hors Europe, mais c'est un peu plus compliqué, il y a un peu moins de pays partenaires. Mais c'est comme ça que ça fonctionne les études supérieures, à l'université en tout cas. Mais ça ne veut pas dire que vous aurez vu les mêmes notions que les autres, que vous serez au même point, etc. Donc c'est vraiment, voilà, ça fonctionne vraiment autrement que tout ce que vous avez eu avant dans votre scolarité. Et donc on fonctionne par UE d'enseignement, c'est-à-dire qu'une UE d'enseignement vaut un certain nombre de crédits qui a des équivalences dans d'autres pays. À Nantes en tout cas, ce qui caractérise le contre-continu ou les partiels, c'est le fonctionnement des cours. Ça c'est commun à toutes les universités également. On a soit des CM, donc cours magistraux, soit des TD, donc travaux dirigés. Les CM, c'est des cours magistraux en amphithéâtre, où on est souvent énormément. Nous, dans ma licence socio, quand j'étais en L1, on était environ 400 élèves et on avait 2 CM, c'est-à-dire qu'on était 200 dans un amphi pour faire l'amphithéâtre. Mais, et du coup le prof le faisait 2 fois, mais dans certaines autres filières, il pouvait être jusqu'à même plus de 1000 en amphithéâtre, ça dépend des capacités des amphithéâtres aussi. Bah, c'est quand même plus agréable pour un prof, moins il y a d'élèves. Après, quand on arrive à un amphithéâtre, de toute manière, c'est beaucoup d'élèves et il n'y a plus beaucoup. Il n'y a plus vraiment d'individualisation, c'est-à-dire que vraiment le prof il est là, il te dit ton cours, pratiquement tout le monde a des ordinateurs et tape le cours, prend le diaporama quand le prof l'envoie, mais des fois le prof ne l'envoie pas. Et que tu es là ou que tu sois pas là, de toute façon ils font jamais l'appel en cours magistraux. C'est des cours justement qui sont facultatif, hein. En fait tous les profs nous le disent, c'est obligatoire comme tout le reste des cours, mais ils vont jamais faire l'appel, donc si tu y vas pas, personne ne va rien te dire. Par contre, t'as un partiel à la fin de l'année, donc il faut que tu puisses réussir ton partiel. Nous, ce qu'on faisait beaucoup avec mes camarades, c'était que les CM, on les loupait souvent en fait, parce que on travaillait, et du coup des fois, en plus les CM ça pèse sur n'importe quels horaires, plus que les TD. On peut se retrouver avec des CM de 19h à 21h, enfin, ça arrive rarement mais ça arrive. Et du coup il y a des fois on travaillait parce que c'était trop tard le soir, ou moi des fois je travaillais le matin, on ne pouvait pas aller à un CM le matin, ou des fois il était vraiment pas intéressant, du coup il y avait que la moitié d'entre nous qui y allait et on tournait. Et du coup on se partageait tous nos cours de CM sur internet, parce qu'en plus comme le prof est vraiment là et il dit ton cours, des fois tu te déconcentres, des fois il va trop vite, t'as pas forcément tout noté, donc nous vraiment on se mutualisait. Il faut s'habituer, mais franchement c'est pas un truc que j'ai détesté. Sincèrement il faut être apte à ça, il y a des fois où c'était très dur de suivre, mais c'est le fonctionnement de l'université et surtout dans les filières comme ça où on a beaucoup de trucs à apprendre, hein, c'est du apprendre par cœur, c'est pas vraiment de la réflexion. Mais c'était quand même très intéressant et moi j'ai aimé certains des CM que j'ai fait, pas tous mais j'ai aimé la plupart.
Les CM, ils sont évalués uniquement en partiel, donc on a tous le même examen à la fin dans un énorme gymnase où on fait tous le même examen qui est très très souvent une dissertation et il faut vraiment avoir lu ton cours, voire l'avoir un peu approfondi. Et les TD c'est totalement différent, les TD du coup ça fonctionne en contrôle continu et on a vraiment un professeur pour 30-40 et c'est beaucoup plus interactif. Du coup souvent les évaluations c'est des fiches de lecture ou des exposés ou même des contrôles de connaissances mais où nous ils sont obligés à la fac de nous faire au moins deux contrôles continus en TD. Du coup bah, c'est comme ça que ça fonctionnait, c'est vrai que c'est beaucoup plus vivant. Après c'est pas forcément plus pratique, enfin des fois on parlait plus de nos vécus parce que comme c'est des cours sur la société, des cours sur le travail, des cours sur l'école, on pouvait, certains travaillaient, certains avaient fait des stages et tout, donc on pouvait beaucoup plus échanger, mais dans le contenu parfois ça changeait pas vraiment, parfois c'était comme un CM, c'est-à-dire que le prof parlait beaucoup et même si on échangeait un peu plus, il n'y avait pas beaucoup plus d'interaction. Les seuls cours qui changeaient vraiment, qui étaient vraiment importants d'être en TD, c'était évidemment l'anglais, hein, parce que l'anglais du coup c'était... Enfin, on pouvait choisir soit anglais, soit espagnol à la fac, et ça fonctionne globalement comme un cours de lycée. Enfin, il n'y a pas vraiment de programme comme je vous le dis, donc les profs font un peu ce qu'ils veulent. Il y a aussi un truc, c'est que les cours changent entre le premier et le second semestre. Vous avez... Enfin, moi en tout cas c'était comme ça, je rappelle, c'est pas du tout pareil dans toutes les facs, Enfin, c'est pas du tout pareil dans toutes les facs. Mais nous, on avait chaque cours une seule fois par semaine sur un créneau de 2 heures ou 1 heure et demie, mais plus souvent 2 heures. Et toutes les semaines, le même jour, à la même heure. Et on changeait à chaque semestre, c'est-à-dire on changeait en septembre et on changeait en janvier. En fait, la licence de socio, c'est en 3 ans, mais c'est en 6 périodes parce que vraiment, tu as tes cours qui changent à chaque semestre, donc tu as 6 périodes. Et à chaque période, j'avais au moins... un cours de mode d'enquête ou méthode d'enquête. Donc en rien le premier semestre c'était vraiment juste des méthodes d'enquête. J'ai eu également un cours de questionnaire, un cours d'entretien et un cours d'observation sur ma L1 et ma L2, on a eu tout ça. Et j'avais encore questionnaire en L3 et on avait également enquête ethnographique. Là c'est comment faire une enquête sur le temps long, comment faire justement utiliser tous ces modes d'enquête, c'est-à-dire les trois, pour faire une enquête sur le long terme, pour pouvoir comparer entre les débuts de l'enquête et la fin de l'enquête. Après ça du coup je l'ai pas fait en entier parce que c'était sur toute l'année et moi je suis partie au Canada la seconde moitié de l'année, donc j'ai pas suivi ce cours là au Canada, mais il y avait aussi des cours d'enquête. Et là du coup pour le coup c'est un cours beaucoup plus vivant. Parce que, et d'ailleurs c'est arrivé aussi dans d'autres cours que le contrôle continu, en L1 c'est beaucoup d'exposés et de fiches de lecture, mais à partir de la L2 c'est beaucoup de dossiers, c'est-à-dire qu'il faut aller faire des questionnaires, il faut aller faire des entretiens, il faut aller faire des observations, et ensuite il faut faire un dossier pour rendre compte de ce qu'on a fait. Les entretiens c'est très très long parce qu'il faut tout retranscrire, il faut enregistrer les entretiens qui durent parfois 1 ou 2 heures et tout retranscrire au moindre mot, au moindre tout sautement, tout de façon très 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 précise. Ça c'est très fastidieux comme travail, je vous le cache pas, mais moi c'était un truc que j'adorais faire, pas la retranscription mais surtout l'analyse après de prendre tout ce que t'as fait, de compter, de faire des statistiques avec tes questionnaires. D'ailleurs on avait également un cours de statistiques en TD, donc c'était plus là un cours de maths. On l'a eu aussi en CM mais c'était plus l'histoire des statistiques, pourquoi on fait des statistiques en sociologie. Et voilà, c'était vraiment beaucoup plus vivant comme cours et comme je vous dis à partir de la L2, certains de mes autres cours étaient évalués avec une analyse d'un questionnaire ou d'un entretien ou d'une observation. Et du coup là j'aimais vraiment beaucoup qu'on était évalué comme ça parce que c'était vraiment vivant. Il fallait, parfois on n'avait pas cours pour pouvoir nous laisser le temps d'aller sur le terrain, d'aller en ville, d'aller faire les entretiens avec des gens, d'aller passer un questionnaire, d'étudier et tout. C'était là beaucoup de travail en dehors. Après niveau taux horaire on n'a pas énormément d'heures de cours, on était maximum à 24 heures semaine, donc globalement pour vous donner un exemple, ça n'a pas été tous les ans comme ça, mais là où j'ai eu le meilleur emploi du temps c'était en début L3 et j'avais tous les jours cours soit de 8 à midi soit de 10 à 15 heures maximum et j'avais jamais cours après et du coup c'était vraiment plutôt light comme
comme rythme de cours, mais les SEM, comme je vous l'ai dit, il faut les réécrire, il faut les revoir, les corriger, les refaire pour bien les intégrer, faire beaucoup de fiches de révision pour apprendre pour les partiels, les TD surtout en mode d'enquête, il faut aller sur le terrain, faire tout ça, donc il faut avoir le temps, et en plus énormément d'étudiants sont salariés. Voilà, en gros, ça c'est le fonctionnement de ma fac à moi, mais aussi le fonctionnement de l'université en général, surtout quand on est en lettres, on a peu de cours mais beaucoup de travail à côté. Et voilà, c'est après, faut s'habituer, faut prendre un rythme de travail, mais ça se fait. Et moi personnellement, c'est un système que j'aimais beaucoup. Concernant les cours, donc comme je vous ai dit les cours un peu plus généraux, c'est-à-dire les méthodes d'enquête, les stats et l'anglais. Mais sinon, la grande majorité de nos cours à Nantes, c'était sociologie de quelque chose. Par exemple, on a eu sociologie des institutions, sociologie de la famille, sociologie de la politique, sociologie des mouvements sociaux, sociologie de l'école, sociologie du travail, sociologie du salariat, sociologie de l'éducation. Enfin, c'est vraiment axé sur tous les domaines de la société, tous les domaines de la sociologie. C'était vraiment organisé par thématique. J'ai vraiment beaucoup de cours que j'ai adoré. Quand on arrive en licence 3, on choisit un parcours. Donc soit on choisit éducation, formation et travail social, moi c'est ce que j'avais choisi, c'est cohérent avec mon projet d'études où je voulais partir dans l'enseignement. Soit on avait agriculture, ou soit on avait territoire, je sais plus trop c'est quoi le troisième parce qu'il m'intéressait vraiment pas, santé et conditions de travail je crois. Je crois que c'était santé et conditions de travail. Et donc vous avez aussi le choix dans votre enquête ethnographique de choisir un thème d'enquête. Moi j'avais choisi l'argent et les enfants en gros. Et il y avait aussi il y en avait un autre sur les jardinières collectives. Et il y en avait un troisième, je sais plus sur quoi. Mais en gros on choisissait le thème de notre enquête et après on allait dans le cours correspondant. Donc en L3 on était vraiment très 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 mélangés avec tous les L3 qui restaient. Parce qu'on changeait pratiquement de camarades à chaque cours. C'était quand même assez intéressant parce que du coup on voyait beaucoup de gens différents et puis en plus on était regroupés avec nos intérêts et du coup c'était plus intéressant que dans un cours imposé où les gens sont là des fois parce qu'ils sont obligés et il y a des gens qui font sociologie du genre qui sont pas du tout intéressés et du coup c'est vrai que ça cause des disparités après. Enfin moi par exemple en sociologie du genre et j'avais un autre cours sociologie des exilés, je sais plus c'était quoi le terme du cours, mais c'était, en gros on devait faire un entretien soit sur des migrants, soit sur des prostituées, soit sur des toxicos, ou soit sur, il y avait un quatrième choix, des SDF, parce que tout le monde a fait les SDF en plus. Et ça c'était un cours qui m'avait vachement intéressée parce que moi j'avais choisi les migrants, j'avais des engagements politiques à côté, je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais je pense que je n'entrerai pas dans les détails, mais j'étais syndiqué à côté de mes études et donc j'avais beaucoup travaillé avec les migrants, notamment l'année d'avant quand on a défendu la non-augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Donc j'avais déjà plein de contacts et en fait c'était super facile pour moi. Mais pour d'autres qui n'avaient pas du tout de contact avec ces populations là, ça a été beaucoup plus complexe et pratiquement tout le monde a fait sur les SDF parce que c'était les personnes les plus atteignables. Et parfois ça nous met comme ça dans des situations un peu compliquées où vous devez observer votre famille, où vous devez aller chercher une population spécifique. On reste pas dans sa zone de confort quand on a des enquêtes à faire et c'est vraiment hyper intéressant parce que ça nous pousse vraiment à voir le monde autrement, à aller voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et moi c'est vraiment une licence que j'ai adorée parce qu'on a fait tellement de choses différentes, j'ai appris tellement sur la société, j'ai appris tellement sur les discriminations en parallèle avec mon engagement politique qui m'en apprenait beaucoup. En gros, mon engagement politique me donnait une vision politique, une vision revendicative, une vision militantisme et la sociologie me donnait les outils scientifiques pour expliquer pourquoi défendre ça, pourquoi les gens sont oppressés, pourquoi il y a des grandes différences entre les gens dans le traitement que la société en fait. Et c'était hyper complémentaire parce que, sincèrement, si vous voulez faire de la politique,
la sociologie, je trouve que c'est vraiment très très important de pas forcément de faire une licence de sociologie, mais en tout cas d'en lire, parce que c'est les outils scientifiques pour expliquer la société en fait. Bon, j'ai déjà ma vidéo est déjà très très longue, donc si vous voulez plus que je vous parle de vie étudiante, de tout ce qui est autour du CROUS, des bourses, de tout ce qui est association, etc., je vous invite à aller voir ma vidéo spécifique sur la vie étudiante. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions pour ceux qui en posent. N'hésitez surtout pas à venir me poser vos questions soit en commentaire de cette vidéo, soit en message privé sur Instagram si vous êtes plus à l'aise de le faire en message privé. J'y répondrai avec plaisir. Si j'ai oublié énormément de choses ou que vous avez plein de questions, toutes les mêmes questions, je referai une vidéo pour répondre à toutes ces questions-là. J'espère que ça aura pu vous aider. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like si ça vous a plu pour m'encourager. Et on se dit à la prochaine!